lui a échappé, et c'est vrai que sur ces passages de vibreur, Ralf Schumacher, qui avait réalisé un très bon temps, s'était fait surprendre aussi. Et voilà, il a sauté trop, vous voyez, il part en travers, et voilà, c'est trop vite certainement aussi à l'entrée. Très courageux, mais voilà, bon, ça se passe bien, la voiture est quand même passablement bien abîmée, et vous avez vu là, encore une fois, la très bonne, regardez, on le voit bien, hop, il est un peu trop, il a trop mordu à l'intérieur avec la roue arrière gauche, ça a levé l'arrière de la voiture, et là, on perd la direction, et la voiture est partie en tête à queue instantanément. On revit ça de l'intérieur. Hop, il l'a vu, hein. Il l'a su tout de suite, vous avez vu.